Et salut à tous et à toutes, ici c'est Mister Wu. Aujourd'hui nous allons jouer à notre jeu, à le jeu Sims, j'allais dire Sims 2. En fait c'est simple, le jeu je l'ai acheté il y a longtemps, mais en fait ici j'ai voulu retester. Qu'est-ce qu'il fait? C'est le seul fugue dans le quartier. Comme vous voyez, c'est bien fait ce mode, ça fonctionne vachement bien. Il étudie sur son smartphone, c'est comique. C'est très très rigolo. Ah. Quafica Abimo? Ah, Chilu. Rabla Payfin Quofi. Abrosa Doka. Bizik Fluhane. Cleverte Demiskos. Squaz. Oh. Fasanoi Valpin. Oh. Vanti. What the fuck? Pinaruja Sapa Axine Kleboom. Je sais pas ce qu'ils font, hein. Wabarani Cherib. Qu'est-ce qu'il est bon, Zabris Kithara. Anatabo. Nopa. Quasnolch. Fwash. Tombra Bomkaro. Fanjib. Tashibi. Nayafloof. Envoyer des invités voisins. Nurchel Quosinex. Oh. Ooh. Chelner. Gungane. Wissa, Dib. Soy Brif. Ah, Bombadoy. Urazap. Ah, Suna Nibna. New Yep Fanoi. Yala Nim. Ah, Bombaday. Qu'est-ce qu'il est beau. Trop classe. Je préfère être en furie qu'être en humain, donc du coup, moi, je suis content. Alors, du coup, j'ai mis voice mode pour le traitement de ma voix, donc vous devrez avoir un son beaucoup plus pro, on va dire, en tout cas, qui donne un style de son un peu plus intéressant que laisser un son d'origine, tout simplement. Donc voilà, comme ça, vous savez. Shabini Janib. Yibs. Freenip. Yanoborp. Freenip. Gungday Yawada. Cleverte Demisco. J'ai juste diminué mon son à moi de mon côté. J'entends toujours. J'ai pas mis de casque. Par contre, j'ai diminué un peu le son pour éviter que ça fasse écho. Là, tantôt, j'avais quand même déjà testé maintenant en tout de gain. C'était parfait. Ça fonctionnait nickel. Mais au cas où, j'ai quand même ici diminué pour être sûr. Que quoi qu'il arrive, le son du jeu est plus fort que celui qui sera entendu par le son de mon enceinte Bluetooth. Donc ça fait que normalement, vous ne devrez pas avoir... L'écho ne peut pas être fait parce que le son d'origine prend le dessus de celui qui est en écho. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Quand tu arrives à recouvrir un son, c'est bon aussi. Parce que de base, ils sont au même niveau, donc... Puisque c'est au même niveau. Enfin, voilà. Le micro n'a pas de décalage. Ou alors peut-être que si, je sais pas. On verra bien, hein. C'est un test cette vidéo. Je sais même pas comment. Ah oui, je suis con parce que je me dis c'est pas pratique. Hop, je vais mettre ça quand. Bon, je vous dis tout de suite. Hein. Bon, je vais devoir chercher comment activer les cheats parce que j'ai oublié. Mais je vous rassure tout de suite, hein, je vais activer les cheats pour mon personnage pour qu'il ait beaucoup de thunes. Parce que moi, en fait, je suis plutôt mode construction, flammage et tout ça. En fait, j'avais déjà le jeu depuis longtemps, du coup. Depuis 2016, 2017, je sais plus, mais depuis très longtemps. J'avais déjà installé la première V1 de ce mode-là.
Mais maintenant, entre temps, avec les mises à jour, il y a dû. Le gars en question qui s'occupe de ce mode sympa a dû faire des modifications sur les mises à jour. Et du coup, voilà quoi. Mais je trouve qu'il est encore beaucoup mieux qu'avant. Par contre, toi, t'es un enculé parce que regarde qu'est-ce que tu fais quoi. Ça y est, je suis de retour sur mon smartphone. Lol. Lymphia Zerpa. Lahoin Fubame. Dabishi Sleka Ken Kuya. Aha! Tinoba Zwang. Goni. Befte Goshoib. Bretno Quib. Tebo. Ganir. Pruba. Pluba. Bah ça va, ça a l'air d'aller. Alors pourquoi je lui ai mis à votre vous en doutez hein, si je lui ai mis un Bermuda, c'est pas pour rien, c'est tout simplement que je voulais juste faire que ses pattes ressortent parce que vous voyez le modeur a fait des pattes exprès, donc je me suis dit pour rendre encore plus furie. Les mains, c'est normal, il n'a pas mis des mains un peu furies, touffues et tout ça, avec des coussinets, mais c'est pas grave. Donc du coup, pour les pattes, pour qu'on le voit encore plus furie, j'ai mis ça. Et puis, il est très beau comme ça. Hein. C'est le seul mode que j'ai mis d'ailleurs, hein, et j'ai pas mis d'autres modes. C'est le seul unique mode, je peux vous montrer. Hein. Regardez, quand on va dans options de jeu, il suffit d'aller dans autre et activer ces deux choses-là. Moi j'ai dû juste activer ça et du coup dans le truc d'affichage contenu, voilà, contenu personnalisé, bon ça dit Maxis n'est pas responsable des modes à utiliser à vos risques et périls. Mais t'inquiète Maxis, il n'y a pas de risque avec ce que j'utilise, c'est juste de la customisation. Alors voilà, voilà tout ce qu'il y a tout simplement, hein, c'est pas plus compliqué que mes déclarations. Voilà tout ce qu'il y a. Après, c'est à vous de voir si ça vous intéresse. Je mettrai le lien du mode directement à télécharger dans la description. Hein. Et pour information, donc, comme je vous ai dit, il faut activer ce que vous avez vu là. Donc, je vous le répète pour être sûr, parce que si ça peut intéresser les gens, comme ça, c'est très important. Donc, moi déjà, regardez-moi ça, j'ai tout au max. Je peux pas faire max. J'ai tout à fond quand en élevé. Et là encore, je sais même pas si je peux aller plus haut. Non. Je suis vraiment à fond, quoi. À fond. Comme vous voyez, on peut pas aller en plus haut. Hein. C'est vraiment utile, ultime, quoi. Et ça tourne à la perfection. Et alors, du coup. Donc, vous allez dans autre. Vous vérifiez que ces deux-là sont activés. Tout simplement. Hein. Ces deux choses-là. Vous voyez ma souris. D'accord? Après, vous appliquez, bien sûr. Vous fermez votre truc. Vous redémarrez. Apparemment, il faut quitter le jeu, donc après redémarrer, mais tout ça. Mais bon, de toute façon, il faut mettre le mode dedans. Hein. Au pire, si c'est pas le cas, il suffit de quitter et re-rentrer dedans et après re-quitter si ça va faire un peu comme Minecraft pour installer le truc de mode et tout ça. Donc, vous quittez le jeu, vous relancez le jeu. Dès que vous arrivez au menu, c'est bon, vous quittez le jeu. Et après, vous allez dans. Vous cherchez le dossier. Electronic Arts, vous allez dans Electronic Arts, vous allez avoir Sims, vous allez dans Sims et vous cherchez mode. Et vous, dans mode, vous copiez-collez des IP, hein, le mode tout simplement, et c'est pas plus compliqué que ça, et c'est bon. Et que, si vous avez réussi, ben, ça va juste quand vous allez arriver à l'accueil de votre écran du jeu Sims, ça va vous afficher tout simplement le contenu comme je vous ai montré. Manuellement, et vous avez juste à dire à appuyer sur le V et c'est bon, et décocher tout que ça s'affiche. Moi j'aime bien voir que ça s'affiche pour voir parce que ça me dérange pas et j'aime bien, mais c'est vrai que je pourrais déjà, je vais peut-être le désactiver après parce que ici j'avais pas envie de, parce que j'avais des soucis pour être sûr que le truc soit mis en fait et qu'il soit pas touché. Et du coup, parce que je me méfie de moi, enfin. J'ai l'impression qu'ils essaient d'empêcher les gens de modder, je sais pas pourquoi. Donc voilà, comme ça vous savez comment faire. Après moi j'ai mis que ce mode là, mais je pense qu'on peut en mettre plusieurs. Hein. Moi personnellement j'en mettrai pas d'autres. Il y a des changes que je repasse à la caisse pour les chiens. Parce que en fait j'ai acheté Sims 4 sur Xbox One. Et j'ai acheté avec le pack en fait en promo des animaux en fait. Donc du coup
La différence par rapport à ici, c'est que j'ai les animaux sur la version du Xbox One et que ça rame beaucoup plus. Ici, c'est beaucoup plus fluide. Ça, c'est clair, ça se voit. Regardez quand je vais tout doucement. Ouais, j'arrive pas à aller tout doucement, mais regardez si j'arrive à aller à une certaine vitesse. Ouais, j'arrive pas parce que c'est humain, on arrive. J'ai pas une souris du pro. Mais il suffit que vous regardez les personnages bouger et tout ça, vous voyez que ça ne saccade pas. Et le fait que mon personnage parle tout seul, c'est pas grave. Bon, en fait, c'est comme moi, en fait. Bon, de base, c'est moi, donc voilà. Tiens, j'ai déjà 4000, c'est bien. Donc voilà, comme ça, vous avez vu un peu ce que c'est. Donc apparemment, tu dois aller aux toilettes, t'es un petit coquinou, donc je sais pas ce que tu fous là, qu'est-ce que t'attends, hein. Va au Va au chiotte. C'est ça. Les mecs qui n'est pas du tout compris. J'aime regarder les gens aussi. Bon, on voit rien heureusement, mais. De toute façon, même si on retire ce que certains à l'époque j'avais vu sur Sims Augustin avec les mobs et tout un bordel sous émulation, ils avaient retiré en fait les effets de pixels quand on voit le personnage nu. Mais en fait, il n'a pas de sexe, hein. Il n'a pas de partie génitale, que ce soit une femme ou un homme. Puisque Maxis ne l'ont pas fait. Hein. Enfin, c'est pas Maxis, c'est Electronic Arts, par exemple. C'est... Enfin, ceux qui ont créé les jeux Sims. Donc, ça sert à rien de. Même pour ce Sims 4, ça sert à rien d'essayer de mettre un mod et de retirer les effets de pixels. Vous allez juste voir le personnage tout nu, sans sexe, c'est tout. Ils n'ont pas de parties génitaux. Donc, ça sert à rien de faire ça quoi. Tiens, il a un cœur sur son truc, j'avais pas vu ça. Bon, c'est pas très grave. Ça me gêne pas plus que ça. Oh, monsieur va lire. Qu'est-ce que tu vas lire, monsieur? Qu'est-ce que tu vas dire? Oh, Oscar Peraza. Peraza, ok. Enregistrer. Sauvegarder. Oui. 16h. Regardez. Oui. C'est bon. 16h42. Je sais savoir quelle heure il est. Bon, je sais qu'on peut appuyer là. Hein. Je suis pas con. Mais. C'est pour sauvegarder l'état du jeu. Donc, en même temps, vous voyez un peu à quoi ça ressemble Sims avec les trucs à fond et où c'est fluide et tout, etc. Et les personnages qui marchent bizarrement aussi. Bon, voilà. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est que je vais essayer de m'informer pour comment activer le chat, en fait. Parce que je sais plus du tout comment on fait. Activer le chat dans... 4. Alors. Ah voilà. Si Internet veut bien fonctionner, bien sûr. Parce que là, je suis en train de. Attendez, je vais vous. Oui, regardez quand c'est, comme c'est fluide. Vous voyez? Ouais, bon, il y a toujours des petites saccades, mais ça, c'est. Mais je veux dire, je vous le dis tout de suite, c'est déjà beaucoup plus fluide que sur ma Xbox One. Donc, vous venez de dire, vu que c'est un processeur Xeon et une carte graphique, je pense que ça va fonctionner assez bien. Je vous mets le personnage en pleine vue, comme ça je suis occupé, moi. J'ai appuyé sur le truc, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, est-ce que le machin est mort? Non, pas un chat. Oh, Fumoy. Alors, c'est CTRL plus MASH, c'est... On va essayer CTRL plus MASH, c'est... Oui. Et là, du coup, je peux marquer mot... Zerload... Non, c'est pas ça. Là, je vais marquer code triche. Oui, voilà, c'est ça.
Ah oui, c'est comme ça s'écrit. Motorload. Ah, j'ai gagné de la thune. Voilà, c'est déjà pas mal. Ça me fait de la tranquillité. Est-ce qu'on peut remettre en arrière le truc? Oui, regardez. Du coup, on peut le faire tunasser. Allez, on va le mettre au max, juste pour le plaisir. Et voilà, il est riche. Il est fort. Mon personnage est fortuné. Il est tranquille à vie, mon personnage. Il doit pas faire de trucs. Hop. Mais attends, tu dois se le garder en dessous de l'autre aussi. Oui, c'est ça. Oui, regarde. Né. Alors, voilà. Donc, du coup, mon personnage est ultra il est millionnaire. Donc, c'est parfait. C'est parce que j'ai envie qu'il soit. C'est parce qu'il est unique, c'est pour ça. MDR. Bon, c'est surtout que. Après, vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi t'es dans cette maison alors, du coup? Ah, mais ça, c'est temporaire, hein, je vous rassure tout de suite. Moi, je vais aller dans le market, je vais changer de maison. Hein. C'est juste le temps que je débute une partie. Il va rester un petit moment dans cette maison, mais après, je vais faire changer. J'aime bien ce petit design, cette petite maison. Elle fait très étudiant. Moi, je voudrais bien avoir une maison comme ça. Sincèrement, mais je serais déjà heureux d'avoir une maison comme ça. J'ai pas besoin d'une maison de riche. Ici, c'est pour le délire, parce que c'est rigolo, quoi. Mais voilà, quoi, c'est. Moi, si j'avais déjà une maison comme ça pour. Avec, donc, du coup, 4 pi 3 pièces, comme j'ai vu. Ben moi, je serais déjà heureux. Ah non, 4 pièces. Ben, je serais déjà heureux parce que je trouve que cette maison est magnifique. Elle est parfaite. Ce serait ma maison. C'est une maison de mes rêves, personnellement. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Par exemple, si je voulais jouer à l'Oculus, ben, il y a cet emplacement-là, tu vois. Le MDR. Ou alors, je peux reculer le fauteuil pareil. Enfin, en bref, ce serait moi une maison comme ça. Je serais trop bien content d'en avoir une. Si je devais en construire une, je pense que ce serait peut-être carrément le même style identique au pixel près au niveau maison. Parce que je trouve que c'est largement suffisant. C'est parfait. Tout est à la bonne taille. Voilà. Mon bureau de gaming qui serait quelque part par là. Enfin voilà, ce serait ma maison, quoi. Donc moi, je trouve que c'est cool. Après, oui, c'est cool les villas aussi, mais bon, ici, moi, je vous parle dans la. Je te parle. Je vous parle dans la vraie vie, en fait. Pas dans. Pas dans. Ah oui, d'accord, il faut rien en fait, il n'y en a rien à foutre. Je vous parle pas ça dans la vie. Dans le jeu, quoi. Dans le jeu, ça va être fou. Fais dodo, mon petit, fais dodo. D'ailleurs, une vidéo. Le jeu, je ferai qu'une seule fois une vidéo. Hein. Ici, après, on va faire ce que je vous ai dit, mais d'abord, je vais. Oui, en fin de compte, je change vite d'avis, vous allez me dire. Non, c'est surtout que je viens de me dire. C'est vrai que je me dis, c'est con ce que je dis parce que. En fin de compte, c'est vrai. Niveau hygiène, t'étais bien ou pas, toi? Oh, bah, tu vas quand même prendre une douche. Et après, bah, tu vas cuisiner. Oula. A bugué. Ça a l'air sympa ça. Allô? Vambojangi. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais point. Par contre, son. Ouais, ça va, ça ne gâche pas ces belles pattes là. Que j'adore les pattes de Fury. Enfin, en même temps, je suis dans Fury Fandom, donc c'est normal. Alors, certains disent que c'est pas ouf le mode et tout ça, qu'ils sont pas bien faits. Et moi, je me dis que non, ils sont très bien. C'est pas. Oui, certes, si on voulait un truc encore plus parfait. Il y aurait peut-être moyen si il faut voir. En fait, c'est surtout que c'est compliqué de faire ce genre de mode. Hein. Ça demande beaucoup de taf. Le gars qui a fait ça, il y a mon chapeau tiré, comme on dit, chapeau, quoi. C'est déjà trop bien. Moi, ça me donne envie de jouer à Sims. Encore. Parce que sans ça, je n'aurais pas installé du tout. Du coup, ça me donne envie d'y jouer. Donc, il a réussi à un truc. Ce que je trouve trop mignon.
Ah putain, il est nul en fait mon personnage, il sait même pas couir des cheveux. Kepoma. Oh, swag. Lol. Je suis pas une cata à ce point-là, moi non plus. Hein. Il y a des trucs bizarres, mon personnage, quand même, non? Vous trouvez pas? Lol. Il est nul, hein? Bon, je cuisine, c'est mal à l'aise. Bah oui, bah écoute, déjà, apprends à cuisiner correctement, parce qu'apparemment, c'est pas ton fort. Hein? Pauvre petit. Bah oui, c'est toi. Ça y est. Souris seulement, petit souris. Ah, déjà... Oui, va. Bah... Ah oui, carrément. Ah bah oui, vas-y. Fais comme dans la vraie vie, je ferai pareil. Ça va, ça a l'air d'être bon, apparemment. Hein. Bon, bah, tant mieux, hein. Écoute, si c'est... Si ça a l'air si délicieux que ça... Tant mieux. Gardez ces belles papatounes. Je trouve vraiment que l'auteur, le créateur du mode, s'est vraiment bien débrouillé. Vraiment. GG à lui si au cas où un jour il passe sur le truc, mais je pense que ça n'arrivera pas. Moi je suis trop content d'avoir ça. En plus c'est gratuit, c'est ça qui est bien. Comme on dit, c'est open source. Parce que t'as accès à tout le code, puisque c'est des modes que tu récupères sur internet. Ouais, logique. Alors, ils le vendent peut-être en CD, je crois, mais bon... il est en Amérique, donc c'est un peu compliqué de faire livrer des États-Unis en Belgique. Ça va me coûter la peau du cul, quoi. Donc ça ira. T'as mangé, c'est bon? T'as un cas, hein. Bah écoute, on va peut-être faire ce que je voulais faire. Donc déjà, on va sauvegarder. Oui, j'arrête pas de sauvegarder. C'est moi. 16h59. Je regarde. Et on va faire ce que je pense. Donc, pour ça, je pense... Je sais même plus comment on fait. Je dois réfléchir parce que j'ai oublié comment on fait pour déménager le personnage en fait. Je pense qu'il faut quitter le monde. Hein. Il faut aller là. Non? Gérer le monde. Juste gérer le monde. Peut-être ça. Ouais. Il y a un nouveau foyer. Ouais. Je vais voir. Hein. Ah bah je peux vite vous montrer où il faut aller. Donc il faut aller dans visage. Je regarde. Donc là c'est toutes les couleurs. Du coup on dirait un martien. Donc, par exemple si vous voulez un rouge, voilà. Après vous allez dans détails de la peau. C'est là qu'il faut aller pour l'activer. Hop. Hop. Là. Et voilà. Bon, par contre, il faudra mettre chauve le personnage, bien sûr. Attendez. Pourquoi il y a encore du truc alors que j'ai mis chauve? Ah oui, c'est normal. Bon, ça va, c'est normal. Ouais, bon, après les modifs, on les fait après. Donc, vous avez compris le principe. Alors là, vous allez dire, mais les yeux sont bizarres. C'est normal aussi, il faut aller au niveau des yeux. Ah, attendez, faut quitter là et réappuyer sur les yeux. Et vous allez tout en bas. Oui, mais là, le jeu n'a pas compris. C'est parce qu'il y a les lunettes, du coup, je galère. Voilà, il fallait tout en bas. Et sélectionner, et pouf, voilà, les yeux se mettent normalement. Et pouf. Bon, là, il y a un bug avec la texture, mais c'est normal, on va régler ça. Là, vous avez le choix de couleur des yeux, donc vous pouvez les faire noir, vert, violet, voilà, par exemple. Ça va bien. Voilà.
Attention de ne pas appuyer comme moi, enfin j'ai pas fait l'erreur, mais voilà. Voilà, c'est bon. C'est parti. C'est là qu'il faut... Voilà, c'est ici qu'il faut appuyer. Il faut aller tout en bas au niveau des cheveux, il faut appuyer sur ça, je me disais aussi. Voilà, regardez. Et du coup, voilà. Bon, par contre, comme vous avez compris, regardez le pantalon, il y a un problème. Hein. C'est pour ça que j'ai dit que pour ce genre de costume, il vaut mieux prendre ce genre d'habit. Voilà, là, du coup, c'est parfait. Là, du coup, il est parfait, votre personnage. Par contre, la queue, elle est bizarre. Elle a une couleur bizarre. Bon, après, il faut modifier tout ça. Etc, etc. Comme ça, vous savez comment on fait pour utiliser ce mode. Voilà, ça, c'est pour ce qui est de l'utilisation du mode en question. Hop, on va être de retour au menu principal. Autant aider aussi, hein, c'est très important. Alors, ici, reprendre. Non, est-ce que... Oui, ben oui, on peut reprendre, mais le truc, c'est que je... On peut te reprendre, toi. D'ailleurs, j'ai envie de voir si sa queue est normale à lui. Eh ben, il n'a pas de queue, lui. C'est un peu triste. Je ne l'avais pas vu, mais mon personnage n'a pas de queue. Bon, ben, c'est un accident. Hein. Faudrait que je vérifie pour peut-être au pire en refaire un peu avec le même truc et tout ça pour régler le problème. Mais ça se règle par la suite. C'est un petit bug qu'il y a eu, j'ai oublié de mettre sa queue. Ben, c'est même pas le cas, c'est que j'ai rien touché du tout en fait. Donc c'est vrai que c'est bizarre, pourquoi il n'a pas de queue? C'est louche. C'est chelou. Pourtant j'ai pas touché à grand... J'ai rien touché. Hein. J'ai fait la même chose. Donc je sais pas, peut-être que la queue n'apparaît pas ou etc, je sais pas. D'ailleurs les oreilles sont bizarres aussi au niveau couleur. Faudrait que... Je pense que j'ai fait une gourde. Ouais, donc c'est ça que je vais devoir faire, peut-être des remodifications et recommencer peut-être une partie pour le remodifier parce que, en effet, les oreilles sont pas la bonne couleur aussi. Je pense que c'est pas normal qu'ils soient noirs, même si j'étais déjà content. Je pense qu'inamnamment, il faudrait de ses yeux, il faudrait faire une modification. Ouais. Bon, bref, après, en fait, l'idée, c'était de faire venir un autre monde. Je sais plus comment on fait ça. De faire télécharger un mode monte et de faire installer quelque part, quoi. Tout simplement. Donc oui. On peut pas modifier son sim quand il est terminé. Si, là, je crois. Ouais, voilà. Normalement, c'est faisable, ce serait bien. Du coup, il faut sûrement accéder à ses oreilles, en fait. Heureusement qu'on peut corriger les erreurs qu'on fait. Je suis même pas sûr. Hein. Mais du coup, sa queue, elle apparaît, là. Non, elle n'apparaît pas chez moi. Mais heureusement qu'on peut modifier les erreurs qu'on fait, parce que, purée, ça aurait été chiant, si. Mais comment on fait pour faire apparaître sa queue? On va devoir chercher après le truc. C'est vrai que c'est bizarre que moi j'ai pas de queue. D'accord. Ah regardez, vous avez le choix de... Ici vous avez le choix en fait de style félin et normal. Bah regardez, là il s'est mis normalement apparemment. Vous voyez, c'est la couleur de base. Vous avez plusieurs choix, regardez, de couleur. Mais il est pas mauvais, hein. Moi ça me va. Très bien. Il est très beau comme ça, mon renard. Mon loup. Parce que je savais pas que c'était là qu'il fallait aller. Mais du coup, il faut... C'est quoi ce nom?
Ah, ok. Ah, ok. Et là, du coup, vous avez des trucs de patoum. Parfait. Bah, vous voyez, on a trouvé, on a réglé un problème trop bien, quoi. Fallait juste... régler les trucs. Donc, attendez, je vais remettre juste le basique. Comme c'était, voilà. Color base, black. Oui, comme ça, vous voyez où il faut... Vous voyez où il faut aller, quoi. Mais par contre... Je sais toujours pas... Où il faut aller pour le cul, pour la queue, quoi. Quoique, je l'aime bien quand même en couleur bleue, peut-être. Ouais, je sais pas. Ouais, non, il est cool comme ça aussi. Hein. Je sais pas trop. Ça, c'est. Je dois voir encore. Après, je vous dis, cette vidéo elle va être longue si je traîne à ce point-là. Donc, comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble quand c'est bien fait. Mais en tout cas, là, vous voyez bien les texturisations et tout ça, et ça, c'est cool. Mais c'est vrai qu'il est cool en autre couleur. De toute façon, c'est pas ça que je cherchais de base. Hein. Détails de la peau. Donc on est dans le détail de la peau habituellement. Ouais, donc en tout cas là vous voyez les oreilles sont normales, tout est normal. Par contre ma queue je sais pas où est. Ah mais je l'avais pas sélectionné, quel con. Voilà, bah, c'est bon. Il est maintenant correct. Et voilà comment régler le problème. Je modifierai peut-être encore plus tard pour la suite, mais pour le moment en tout cas c'est bon. Oh, quoique il est bien, comme ça il est parfait, il est beau. Il est sublime. Enfin, c'est peut-être que le côté vert, ça me plaisait aussi. Enfin, c'est à voir. En tout cas, on a réglé le souci de la queue qui manquait. C'est déjà ça. C'est ce que le côté vert, comme ça me plaît bien. Et c'est cool qu'on puisse sauvegarder. Parce que c'est... Ouais, c'est vrai que vert comme ça, c'était pas ouf. Non, quoique, c'est bon, il est bien comme il est ici. Il est beaucoup mieux. Et du coup, bah, il n'y a plus qu'à sauvegarder. Hop. Et voilà. Personnage réparé. J'ai réparé mon personnage en deux ou trois mouvements. Et en plus de ça, bah, je vous ai aidé à savoir comment... où accéder au truc. Après, peut-être on verra plus tard si je remodifie ou quoi. Mais en tout cas, pour le moment, je le laisse comme ça. Parce que si je vais faire un truc, c'est que... Si je me rappelle comment on fait, parce que j'ai plus joué depuis longtemps, donc... c'est d'aller sur le market, en fait. Ah, je pense qu'il faut aller en mode construction. Je dégage, toi. Non? Non, c'est pas ça. Oh! Ah, je peux pas. Ah, c'est nul. Pourquoi c'est verrouillé, je comprends pas. Ah voilà. Oh qu'est-ce que. Jeter la pièce. Comment ce qu'on peut faire éventuellement. Attendez, parce que ici j'ai besoin de. Comment on tourne. Ok, ici ça propose une entrée dans l'autre sens, ça proposait tout éventuellement. Oui, voilà, une entrée. Mais j'aime bien le côté entrée ici, en fin de compte. Et du coup. Ah, l'entrée est là, ok. On va annuler alors. On annule comment on revend un truc. Oh, attendez, on va faire plus ça, on va quitter.
On va tricher. Ah, il faut que je m'habitue. Ouais, c'est dans la galerie qu'il faut aller. Mais dégage. Ça se voit que je recommence. Oui, voilà. La bibliothèque, oui. Oui, voilà, c'est ça que je cherchais. Mon truc Pokémon, il est où? J'ai pas sauvegardé mon truc Pokémon. Oui, parce que j'aime bien être centre Pokémon, en fait. Comment ça? Je sais qu'il y en a un. Ne me raconte pas des conneries, je l'avais à l'époque. Ah oui, d'accord, mais non, mais moi c'est les... C'est... Non, pas de problème. Ah, intéressant, il y a des trucs qui apparaissent. Mais... Allez. Allez. C'est pas les animaux que je veux. Ah merde, c'est pas ça en fait. C'est le terrain là. Marrant, t'as des gens vraiment qui se sont amusés, comme vous voyez, à faire des Pokémon, c'est trop stylé. Mais le truc, c'est que j'ai pas des animaux, je vais l'acheter plus tard. C'est prévu dans mon achat, mais pas maintenant. Par contre, c'est un peu long, là. Alors, voilà, c'est ça. S'il est toujours présent, mon truc de centre Pokémon. C'est un très très vieux truc. Après, je peux peut-être changer. C'est un truc comme ça, mais encore un peu différent, un peu plus ancien encore. C'est presque ça. Très très vieux, quoi. Ouais, est-ce qu'il est encore là? Peut-être pas. Comment ils appellent ça, eux? Maintenant. Ouais, c'est ça, c'est Pokémon. Pokémon. Center. Ah là, ça marche. Je te fous de ma gueule, là. On est d'accord que là, tantôt, ça fonctionnait pas. Voilà, du coup, je vais pouvoir... Ah, ben, c'est celui-là. Il me semble que c'est celui-là. Oui, c'est celui-ci. Voilà. Je regarde. Dans la bibliothèque, s'il te plaît. Merci. Je mets un cœur. C'est celui-ci. Maintenant, tu vas dans ma bibliothèque. Et tu l'installes, je sais plus comment. Donc, on va essayer de l'installer maintenant. Je sais plus comment en faire. Reprendre moi-même. prends-moi. Ah, c'est rapide. Hein. Alors. Un beau gosse. Alors, comment je fais? Centre terrain actuel. Oui. Non. Gérer le monde. Quand tu dis construire, tu veux dire quoi? Ah, voilà. Ouais, mais plus. Ouais, mais c'est pas vraiment ça que je cherche. C'est presque ça. Oh.
D'accord, j'ai fait une gourde. Bon, c'est tant pis, hein, vous avez un terrain tout pourri qui est partagé. Ah, je sais plus comment faire. Je sais qu'il y a moyen de faire ce que j'avais à l'époque, j'avais fait. Mais j'ai tellement arrêté de jouer depuis longtemps que j'ai oublié comment. Je sais qu'il y a, il y a tout un truc pour exporter en fait un monde et le mettre là en fait. Mais vous avez compris ce que je voulais faire quoi. C'est le principal. Hey, Twempalinga. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Ouais, je sais plus. Faudra que je vérifie, faudra que je m'informe parce que j'ai complètement oublié comment on fait Le problème, c'est qu'ici, vu que je n'ai pas 10 milliards de temps parce que c'est une vidéo et du coup, si je commence à. Mets ta gueule, toi. Ça va être un peu le bordel. Donc, toi, dégage. Donc, j'ai pas d'idée comment on fait en fait. Ah non, il n'y a pas de truc pour envoyer ce que je vais... Bordel de merde, comment on fait encore? J'ai oublié complètement, quoi. J'ai tellement plus joué au jeu depuis longtemps que j'ai complètement oublié. Bon, ben, on va laisser tomber, hein, parce que je sais plus. Vous avez compris le principe, hein, si vous vous en rappelez, ben voilà, il faut... C'est, je trouverai, hein, mais bon, le problème, c'est que ça va prendre du temps. Mais en fait, il y a un truc, c'est que normalement, on peut déménager, on est d'accord. Jusque-là, on est même tout à fait d'accord. Donc, normalement, c'est censé gérer les mondes. Ah! Peut-être là. Bah non. Ah oui, d'accord, mais... Ah, si. Ah, voilà, c'est là. Bâtiment meublé. Oui. Voilà, c'est bon. Oui, c'est pas grave s'il manque des objets, c'est rien. On a trouvé les gens. Non mais non, d'abord on va voir que ça fonctionne. Je voudrais revenir en monde normal. Maintenant on va essayer de revenir en normal, c'est là. Il est où mon personnage d'ailleurs? Paumé mon perso est paumé. Mon perso a disparu. Ah, il est là. Coucou toi. J'ai eu peur, je pensais que t'avais disparu. Oui, voilà, merci. Par contre, c'est bizarre ces petits trucs-là. Là, je vais peut-être retirer. Mais c'est bel et bien... Ouais, c'est bon, c'est bel et bien le truc que j'avais à l'époque. Après, est-ce que j'avais prévu de le mettre ici? Ouais, c'est bon, on s'en fout, on s'en bat les couilles, on le met. Et voilà, on a réussi ce que je voulais faire. Et en fait, j'ai cette maison-là dans l'autre truc aussi, quoi. C'est rigolo. C'est juste que j'ai pas cette espèce de machin bizarre blanc. Je m'en rappelle pas, mais il me semble qu'il n'y avait pas ça à l'époque. Et je trouve ça un peu moche. Je sais pas pourquoi. Ça donne un esthétique bizarre. C'est assez chelou. C'est quoi? Ah, c'est des lumières. Ok. Ouais, je sais pas, je trouve ça moche. Faudrait que je le retire. Décidément. Attends.
Oui, c'est bon. Je voulais être sûr de ne pas m'avoir trompé, d'avoir de pas avoir sélectionné le mauvais truc. Devoir sélectionner un par un. Ça va être un peu chiant quand même. Mais c'est mieux sans. C'est un peu moche, je trouve. Regardez comme c'est mieux sans. Il y a le gars qui a fait ça, c'est du mauvais goût quoi. C'est quoi ce bordel quoi? Après, éventuellement, peut-être. En fait, peut-être ça peut aller, mais il en a mis un peu trop. En fait, il y a trop sur le chemin. Peut-être qu'en fin de compte, ça peut peut-être aller. Non, j'aime pas. Ah ouais, c'est mieux sans, on est d'accord. Ça va être long. Je vais vous passer ça, d'accord? Et voilà, je sais pas si c'est bon, vous voyez ce que j'ai fait, mais en bref, c'est bon. J'ai tout retiré, mais vraiment absolument tout. C'était chiant à retirer, ça c'est clair. C'était casse-couille. J'ai laissé juste une lampe et je l'ai mis au milieu, mais c'est tout, il n'y a que celle-là pour l'entrée. Mais sinon, putain, mais le mec qui a fait ça, il est con, quoi. Et voilà, j'ai ma maison. Regardez, c'est pas mieux comme ça. C'est un peu moins surchargé. Parce que le gars, il avait surchargé inutilement. Regardez-moi ça comme c'est beaucoup plus beau. Sans ces espèces de panneaux LED à la con. Non, le mec, j'ai l'impression que c'est même peut-être pas de lui. Il a volé d'un truc d'origine, mais je sais plus où il est. Mais en tout cas, c'était moche. C'était très hideux et inutile. Il aurait pu juste mettre comme là. Un panneau LED juste ici pour l'entrée, pour éclairer l'entrée, ce qui est bien le soir. Hein. Mais après, ça me fout partout des panneaux LED, quoi. C'est complètement con. Donc voilà. Alors, Donc, je vous fais visiter un peu la zone. Si j'arrive à avancer. Donc voilà, là, vous avez mon petit coquinou qui regarde la TV géant. Je vais devoir rajouter des trucs. Hein. Je vais rajouter des trucs parce que déjà, ici, il y a un PC. Ok. Mais il manque un tabouret là. Pourquoi j'ai pas de tabouret? C'est complètement con. Voilà. Et du coup... Voilà, il peut jouer s'il veut. Et du coup, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? D'autres PC. Regardez, il y a d'autres PC gaming. Oula! Non, ça, c'est un écran. Enfin, c'est le sol. Le truc. Donc, c'est assez sympa. Et voilà, qu'est-ce que... J'avais décoré pas mal le truc à l'époque avec des trucs de fan game. Que je vais devoir... Peut-être que je vais sûrement refaire. Donc, voilà. D'ailleurs, j'ai peut-être déjà oublié ce que j'ai fait, là. J'étais dans construction. Donc, j'avais mis un truc des tableaux, en fait, de Pokémon, Embryon et tout ça. Et du coup, voilà. Je vais peut-être une fois poster mes dessins à moi, tu vois.
Donc voilà le petit délire que j'ai. Une grande maison comme ça. Ces souvenirs qui datent. Hein. Et du coup, sur Xbox One, c'était la même maison identique. Sauf, comme j'ai dit, j'ai mis des Pokémon et tout ça. Parce qu'on peut aussi accéder à la galerie via ce truc-là. Est-ce qu'on peut vérifier éventuellement de quelle galerie c'est? Donc pour ça, il faut aller dans Sauvegarde Bibliothèque. Putain. Non, c'est pas. Ouais, c'est là. Oh, mais c'est pas ça que. Non, c'est pas ça. C'est où encore? Bah, ça y est, j'ai oublié où il fallait aller. Putain, j'ai réussi, mais en fin de compte, je sais plus du tout comment j'ai fait. Waouh! Ça a été rapide quand même, n'empêche. La perte de données, quoi. Un truc de taré. Bon, bah, je sais plus comment j'ai fait. Dommage. Il veut. J'en étais où moi? Ah oui, galerie. Du coup, comment j'ai fait moi ma connerie? Comment je me suis pris? Là? Centre du détail. Non. Bon bah j'ai déjà oublié comment j'ai fait, mais en tout cas j'ai réussi une fois. Je devrais regarder. Donc voilà. C'est parce que j'ai fait une fois par coup de bol et du coup j'ai oublié comment j'ai fait. Mais en bref, comme ça vous savez comment exporter un truc sur une map. Hein. C'est comme j'ai fait. Et du coup c'est sympa. C'est l'ancienne vie quoi. Donc ici bah, je vais vous laisser hein, parce que je pense que j'ai fait le strict nécessaire pour cette vidéo. Elle doit durer au moins 50 minutes. Mais ces 50 bonnes minutes qui apprend comment fonctionne le mode Fury et comment changer de monde et comment cheater aussi, enfin tout ça. Donc c'est quand même une vidéo assez complète, je trouve, personnellement. Qu'est-ce qu'il fait? Allons l'espionner, ce beau gosse, avant de nous quitter. Hein? Monsieur, là. On va se quitter sur ça, du coup, hein. Donc j'espère que cette petite vidéo tout mou vous a plu. Et à une prochaine vidéo, pas sur Sims bien sûr, parce que Sims c'est qu'une fois que je fais, c'est pour vous montrer ce que donne le mode en 2022. Mais voilà, c'est un mode que j'avais il y a depuis 4-5 ans que j'avais ce mode-là. Du coup, je me suis dit, vu que c'est la V1 à l'époque, je me suis dit, qu'est-ce que c'est la V2? Voilà, tout simplement. Après, comme j'ai dit, peut-être que c'est possible que je remodifie peut-être la couleur du personnage pour le mettre tout en vert ou pas. Ça, je verrai bien de mon côté. Mais ou je vais le laisser comme ça. Je le trouve bien aussi comme ça. Sincèrement, je me prends pas la tête avec ça. Il est très mignon comme il est. Le côté vert était sympa aussi. Du coup, je vous dis à bientôt et portez-vous bien, bande de petites truffes. À plus.